Bonjour, c'est Poki8, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver depuis tout ce temps et pour découvrir inZOI Character Studio, la démo gratuite que vous pouvez retrouver sur Steam. Mais alors, me voilà en jeu pour créer ma famille. Alors, comment je saisis? Ah oui, ici. Nom de famille. Ah, c'est nom de famille d'abord. Faire Poki8. Le prénom, je vais choisir Emma. Ok. Créer un Zoï. Alors voilà, je suis dans la création d'un Zoï. Ah, trop belle. Il y a tellement de choses. On va regarder les filtres en premier. On a donc dessin animé. Waouh. Mais c'est super. Alors, je sais pas comment. Comment on la descend? Ah, comme ça, waouh, génial. C'est assez intuitif au niveau des touches. Donc ça, c'est avec la souris, le clic gauche de la souris. Noir et blanc. Ouais, bof. Coucher de soleil. Waouh. Pixelisé. Bon, on voit pas trop de pixels, mais c'est pas mal. Objectif, ouais. Fish eye. Dessin. Waouh. Postérisé et suspense. Alors moi j'adore. Réaliste, j'aime beaucoup. Alors là, franchement, je suis désolée, mais je me lasse un petit peu de notre jeu préféré et inZOI, c'est exactement ce que j'aurais voulu. Un jeu plus réaliste. Bon, j'aurais aimé une démo sur le mode construction, mais franchement, c'est magnifique. Alors là, on a vu donc les différentes postures. On a le mode appareil photo. On a mode capture faciale. Non, bah non, non, on va pas faire ça tout de suite. Capture faciale, mais c'est incroyable. Ça veut dire qu'on peut créer son visage. Enfin, je sais pas. Franchement, je sais pas. On a homme-femme, on a profil. Donc éditer identité sexuelle en développement, donc là on peut pas. On a donc enfant, jeune adulte, adulte, personne d'âge moyen et personne âgée, homme, femme. Trait de caractère. Alors il faut, je pense qu'il faut une très bonne configuration pour faire tourner le jeu. Déjà, rien que cette démo fait 19 gigas avec un beau graphisme. Alors le mien, il n'est peut-être pas top, mais bon. Je vais choisir pour l'instant mon trait de caractère. Alors pour moi, ce serait, j'ai cru voir, rêveur. Est-ce qu'on a rêveur? Spécialiste, insatiable, artiste, individualiste, dynamique, sociable, volontaire, magnétique, activiste, perfectionniste, idéaliste. Idéaliste, je croyais qu'il y avait rêveur en fait. J'avais pas vu dreamer en anglais dans les vidéos. On va regarder idéaliste ce que c'est. Idéaliste, décontracté, affable, indécise, posée, passive, guidée par des principes. Ah ouais, pas mal. En tout cas, ça me ressemble pas mal. Coexistence, alors les valeurs, coexistence, sécurité, respectueux des règles et traditionnaliste. Ouais. Alors, description, les œils idéalistes préfèrent maintenir la paix et éviter les conflits, espérant que leur confort actuel perdurera. Ils détestent tout ce qui vient perturber l'harmonie et l'ordre et ils poursuivent la perfection afin de protéger la sérénité de leur monde. Cependant, leur attitude passive fait souvent obstacle aux actions pratiques. Ils sont d'une nature aimable et sont enclins à aider les autres, ce qui en fait d'excellents conseillers. Malgré cela, leur détermination et leurs idéaux nobles les poussent parfois à se sentir supérieurs aux autres. Ah ouais, super. Ok, bon, on va prendre ça quand même. Caractéristiques, privilégie la paix intérieure et est d'une nature philosophique, se montre souvent léthargique, ok? Le sentiment de tranquillité dure plus longtemps et la jauge de sommeil diminue rapidement. Ouh, bah je vais quand même prendre ça. Quoique j'aurais pu prendre artiste aussi, j'aime beaucoup. Allez, je reste sur idéaliste. Ensuite, vie désirée,
Ça, on ne peut pas cliquer. Studio, je ne vais pas aller tout de suite dans Studio. Je vais faire œil prédéfini. Alors franchement, j'ai vu des vidéos et j'étais super curieuse d'enfin pouvoir voir ces graphismes de fou. Ceci remplacera, oui, on remplace. Du coup, on a 7 Zoï. Je ne sais pas si ma qualité rend bien parce que je ne suis pas sur mon ordinateur habituel. Je vais les passer jusqu'à trouver. Oh, franchement, elles sont magnifiques. Elle est trop trop belle. On peut la tourner? Oui, on peut la tourner. Elles sont juste magnifiques. Regardez. Oh, mais elles me ressemblent un peu. Un peu, hein. Peut-être que si je mettais en adulte, elle me ressemblerait plus, ouais. Ouais. Oula, non, peut-être pas encore. Ouais, on va la mettre adulte, puisque je suis adulte. À moins que je regarde d'autres œils, ils sont tous magnifiques. Ah, je vais peut-être rester sur celle-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, je vais enlever. Oh, mais c'est juste incroyable. Ensuite, comment on fait? Visage. J'ai choisi un œil prédéfini. Alors, le visage, on va rester sur cette œil avec le teint un peu mat. Alors, c'est dommage, on ne le voit pas, mais c'est à peu près ça. Pour, du coup, visage prédéfini, non. Je vais rester sur ça. De profil, ça me ressemble un peu. On changera peut-être un petit peu plus tard avec les détails, comme ça. Je sais pas si on peut, avoir encore plus de détails. On va d'abord choisir les cheveux. Je suis pas encore très habituée à ce jeu-là. Waouh! Elle est juste superbe. Ah non, mais les yeux sont magnifiques. Moi, je sais pas si vous vouliez autant de détails sur... Et puis ici, on a quoi? Ah, oui, c'est les cheveux. Ben, bien sûr. On va rester sur ça. On va... Hop, hop, hop. Pas si foncé. Ouais, j'ai pas les cheveux si foncés. Peut-être un peu plus comme ça. Ouais, on va rester sur ça. Oui, ben en fait, je suis en train de... Je voulais pas me personnaliser moi, mais en fait, appliquer à toutes les couleurs. Ouais, mais ça me va très bien. Personnaliser. Alors ça, c'est pour faire plus long, plus court, je pense. Ah oui, non, c'est avec les reflets. Ok, je vais rester sur cette coiffure. Oh, franchement, j'adore. Oh, j'adore. Mais c'est trop trop beau. Le teint, alors il paraît foncé ici, mais en fait il n'est pas si foncé. Mais franchement, pli du sourcil, alors on va mettre, on va mettre un petit peu plus gros. Oh franchement, je mets vraiment en gros plan parce que c'est juste magnifique. Je la décale un petit peu. On a pli du sourcil. Je sais pas ce que c'est ça. Vous voyez quelque chose? Je vois rien du tout. Pommette. Ah oui, d'accord. Ok. Moi, ça va être plutôt comme ça. Ride du sourire. Ok. J'en ai un peu. Donc, je pense qu'on peut le mettre. J'ai aussi des fossettes sur les joues, mais on les verra pas. Fente du menton. Non, j'en ai pas spécialement. Les cernes, oui, j'ai des cernes. J'ai même des poches. C'est horrible, mais ouais. Moi, je dirais même des poches, mais bon. Arrête du nez. Oui, ça fait plus ça, moi. Mais c'est incroyable. Mâchoire. On
vois pas trop bien, mais peut-être qu'il faut la tourner un petit peu. Bah écoutez, ouais, d'accord, je vois. Faire peut-être un petit peu comme ça. Brillance de la peau. J'ai pas la peau spécialement brillante. Mais ça donne un effet. Ça fait un effet peau grasse. Franchement, j'adore. C'est génial. En fait, c'est génial. Je suis désolée, hein, mais pour les fans d'autres jeux, d'un autre jeu de simulation de vie, celui-ci, mais il est juste extraordinaire. Mode édition détaillée. Ah, c'est ça que je veux. Alors, normalement, moi, j'ai le nez qui descend un peu plus bas. Mais retroussé, mais je sais pas comment on fait. Alors, peut-être avec celui-ci. Attendez. Non, alors, j'ai pas du tout de bosse sur le nez. Mode édition de base. Ouais, c'est ça. On va descendre un petit peu le nez. Un petit peu. Et par contre, il est retroussé, mais je sais pas si je vais arriver à le retrousser un petit peu. Il est déjà un petit peu, hein. Là, c'est un petit peu trop. Par contre, j'ai pas les narines si écartées, donc je pense que je vais rétrécir un petit peu. Et du coup, j'ai peut-être rebaissé encore un petit peu le nez. Ouais, je sais pas trop si ça me ressemble, mais bon. Je sais pas comment on peut retrousser le nez. Franchement, ah si, un petit peu comme ça. Ouais, mais il n'est pas si retroussé que ça. Il est plus fin en plus. Ouais, on peut pas le. Ah si, on peut le réduire un petit peu. Ouais. On va rester là-dessus. Oh, les yeux. Oh, c'est magnifique. Par contre, j'ai pas les yeux comme ça c'est clair. J'ai les yeux marrons. En plus, on a. Regardez les couleurs. Ah, c'est juste magnifique. C'est juste trop beau. Alors moi, j'ai les yeux qui tombent un petit peu. Ouais, alors peut-être pas dans le détail. Non, on peut pas. Voilà, je. On peut tellement faire de choses. Ah ouais. Ouais, peut-être un peu plus écarté. Comme ça, ils sont un peu plus en amande. Alors, je sais pas comment on fait par contre. Un peu plus? Ah, je peux pas plus. Ah non, ça, je peux monter ou descendre. Ouais, alors après, ouais, je vais rester là-dessus. Elle est trop belle. Franchement, bord externe de l'iris, oui, d'accord. Ah, c'est trop magnifique. J'ai pris vraiment. Franchement, en fait, quand j'ai vu les vidéos, je voulais absolument choisir une autre Zoï. Mais celle-ci, elle est juste. Enfin, j'ai un coup de cœur pour tous les Zoï. Ils sont tous magnifiques. Même ses yeux, là, ils sont beaux. Regardez-moi ça. Et d'une autre couleur, c'est possible? Parce que du coup, on peut peut-être faire un marron qui tire un peu sur le vert. Oui! Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah, je vais rester sur ça. Ah, c'est trop beau. Ah, je suis désolée de m'emballer comme ça. Hein. Je m'emballe pas à ce point-là. Alors, mes sourcils, ils sont quelque chose de très fin. Ouais. Et par contre, au détail des sourcils, ils sont les miens hyper. On peut les. Ouais, ils sont hyper écartés. On voit pas bien avec les cheveux, mais ouais, mes sourcils sont un peu comme ça. Ils sont pas tip-top, hein, de toute façon. Ils sont clairement pas top. Ah, mais ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Franchement, j'espère que vous pourrez y jouer aussi. Vous avez une config assez bonne. Retirez tout le maquillage, ok? Ça, c'est quoi ça?
teint. Ah, le teint. Alors, moi, ça dépend si on est en été. Ah ouais, ça met du teint un petit peu différent partout. C'est juste. Ah, c'est magnifique. Ah ouais, je vois. Bon, alors l'hiver, je suis plutôt comme ça. Et l'été, je suis plutôt, on va dire, comme ça. On va essayer ça comme ça. Mais c'est beau, maquillage. Il y avait d'autres choses là, les yeux. Ah oui, les sourcils, les cils. Ah oui, les cils, ils sont magnifiques. Franchement, ceux-là me conviennent. Ils sont juste trop beaux. Ah là, ah, mais ils sont magnifiques. Regardez-moi, ces cils. Je regarde vraiment en détail. J'espère que ma vidéo rend bien. Mais c'est juste magnifique, j'adore. Franchement, j'adore. C'est magnifique pour celles qui n'en ont pas beaucoup. Je vais rester sur quelque chose d'assez naturel. Et le maquillage, du coup, la peau, j'y avais quoi? Ouais, la peau, ok. Le maquillage, on a quoi? On a, bon, donc là, j'ai vu le teint. On va la reculer un tout petit peu. Fard à joues. On a celui-ci. Alors, si on met sans fard à joues, c'est possible. Retirer tout le maquillage. Annuler, annuler, annuler. Ouais, on va rester sur quelque chose d'hyper naturel. Alors moi, je me maquille pratiquement jamais, voire jamais. Donc, je pense qu'on va rester là, on va rester là-dessus. Ah, je peux mettre des fois du eyeliner. Juste, ah, c'est super. Oh, c'est beau. C'est beau. Ah non, non, c'est trop, trop beau. Alors moi, j'en mets comme ça en général. C'est magnifique, on a tout. Alors moi j'ai des toutes petites lèvres. Ah ouais, j'ai des lèvres, je déteste mes lèvres. Elles sont vraiment toutes petites. Alors là, attendez, je vais revenir un tout petit coup en arrière. Je fais ça. Est-ce qu'on peut le... Ben non, ça c'est pour monter et descendre. Alors moi j'ai des petites lèvres. On va rester sur des petites lèvres comme ça. Là ça fait quoi si je... Sélectionne celui-ci. Alors franchement, c'est hyper malléable. C'est hyper. En fait, on s'y prend très facilement à ce. C'est super facile. Je vais juste revenir en arrière. Je préfère comme ça ce petit arrondi. Bon, ok, ça me ressemble pas du tout, mais c'est pas grave. Mais franchement, j'adore. Et au niveau couleur, on peut faire quelque chose d'un peu. Oh, c'est trop beau, c'est trop beau. J'adore. J'adore, hyper naturel, genre pas de maquillage. Oh, c'est trop beau. Gloss, j'aime bien le gloss aussi. Ah non, mais c'est trop trop beau. Intensité. Ah ouais. Ah, c'est magnifique. Oh, brillance. Non, pas trop de brillance. On va dire que j'ai mis un peu de gloss. Ride. Ouais. C'est trop trop beau. On n'a pas autre chose. Corps, tenue, personnalisé, accessoires, visage prédéfini. Sur la peau, il n'y avait rien d'autre. Il n'y a pas des détails de peau. Je sais pas du tout. Bah, on va passer bah, du coup au corps. Oh, mais c'est trop beau. C'est trop trop beau. Je vais peut-être pas me faire comme je suis réellement. À faire un petit peu comme ça. Non, il n'y a pas trop de muscles en ce moment. Ouais, on va rester. Moi, je serais plutôt comme ça en fait. Est-ce qu'on peut. Attendez, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans les détails, on peut donc. Ah ouais. On voit peut-être mieux comme ça. Des hanches un peu plus en chair ou pas. La même chose.
ventre, un peu le ventre. Là, je ne suis pas sur le ventre. Comme ça, par exemple. Je sais pas si on peut. Et les seins. On dirait que ça les écarte. On dirait pas que ça les grossit. Ça, hein? Y a pas de détails pour le corps? Non, je vais rester là-dessus. Tenue. Allez, on va passer aux tenues. Waouh, elle est pas trop mal. Oh, mais les vêtements. Ah non, mais non. Mais je fais un zoom, quoi. Ils sont trop beaux. Ah non, mais ils sont magnifiques. La robe, elle est juste superbe. C'est laquelle? C'est celle-ci. Est-ce qu'on a d'autres couleurs? Je sais pas du tout. Personnaliser la tenue, ça sera après. Ah, on va peut-être pas. Ah, mais c'est tenue prédéfinie. Ici, c'est quoi? Connect, gagnant du concours. Appliquer la tenue prédéfinie, ceci remplacera les modifications faites à ce stade. Waouh! Alors ça, c'est quoi? C'est des tenues déjà enregistrées par d'autres? Ouais, mais non, je veux pas. Puis on a, oh là là, tous les hauts. Chemise. Alors, je mets jamais de chemise. Moi, je mets beaucoup plus des sweatshirts, des t-shirts. En t-shirt, ils sont superbes. Ils sont superbes. Ah, ils sont magnifiques. Moi, je mettrais plutôt comme ça. Mais regardez comment c'est beau. C'est juste super beau. Et en couleur, je vais mettre un foncé. Oh, c'est beau. Couleur secondaire. Ouais. Je sais pas trop ce que ça donne. Là, à ce moment. Oh, puis avec des talons. Oh, celui-là. Il y a des choses que je vais retirer. Débardeur, on a quoi en débardeur? Mais on peut tout modifier, vous vous rendez pas compte comment c'est beau. Un gilet. Ah non, pas un gilet. Peut-être un manteau, alors. Une veste, on a des vestes. Je sais pas si on a des... Bon, ça, on a vu plein de fois, je crois, dans d'autres vidéos. On a des petites vestes, donc par-dessus le t-shirt. Moi, je serais plus blouson. Alors là, on voit plus rien. Sinon, je l'enlèverais, hein. Peut-être un sweat. Ah ouais, mais regardez en plus comment ça tombe. Puis quand on voit, je sais pas si vous voyez comme moi, mais la texture des matières, on les voit super bien. C'est super beau. Franchement, je vais rester là-dessus. C'est il y a des ensembles, des bas. Alors moi, je suis plus pantalon et bon, alors, pas de pantalon comme ça. Moi, je suis plus... On n'a pas des détails. Alors, moi, je suis plus... comment ça s'appelle? Pas bootcut, mais... régular. Et j'en vois pas, là, de régular. Ouais. Pourquoi elle m'a déshabillée? On n'avait pas un jean, quelque part? Moi, j'avais cru voir des jeans, mais là, je les trouve... Ah, ils sont plus hauts. Ah, oui! Trop beau. Bon, je suis pas fan de celui-là, il est trop court, mais bon, ça aussi. Et puis ça fait hyper naturel, les jeans, comment ils tombent bien. Par contre, je vais changer les chaussures parce qu'elles sont vraiment trop moches, enfin pour moi, excusez-moi. Les talons, ça plaît peut-être. Je vais rester là-dessus, c'est vraiment super. Accessoires en chaussettes. Ouais, moi j'adore les chaussettes parce que j'ai tout le temps froid. À moins qu'on mette des sockets. Ou alors on n'en met pas. Option de couleur uniquement. Ah, les chaussures, allez, bon. De toute façon, on va passer aux chaussures. Moi, ça serait plutôt ça. Je sais pas s'il y a des baskets. Baskets, ouais, moi c'est plutôt baskets. Ah ouais, c'est moi. Par contre, ça lui fait de grands pieds. On peut pas modifier les pieds, la taille des pieds. Sous-vêtements, alors ça, je sais pas, c'est peut-être quand on les voit. Pourquoi ça enlève les chaussures? Un petit souci.
Pardon, je fais des grimaces en fait devant le jeu. Ouais, allez, moi je suis plus grosse basket en général. On peut choisir la couleur. Ben, la couleur, c'est en général ce que je prends. Ah ouais! J'adore! Toute noire comme ça, même avec les lacets là, comme ça, blancs, qui ressortent. Ah, j'adore! Ben, après, on peut choisir d'une autre couleur, mais c'est juste extra. Ça fait une petite touche de. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Des lacets roses. Ah, excellent! Ouais, on va rester sur une petite touche d'originalité. Bon, les sous-vêtements, je pense pas qu'on va choisir les sous-vêtements. Ça sert à rien. On voit pas. Ouais, c'est des grandes culottes. Et puis des grandes culottes et une brassière. Oula, on a eu un petit bug. Personnaliser la tenue. Ah ouais, d'accord. Ouais. Est-ce qu'on a envie? Bon, ça, vous avez peut-être vu déjà dans plein de vidéos. C'est la longueur des manches. Alors moi, j'adore les super longues manches. Ah non, pas comme ça. Ouais, plutôt comme ça. Ici, la longueur du. Ah, oh, c'est extra, j'adore. Oh, c'est juste trop bien. Accessoires. Alors, déjà, on va virer le collier. Je n'en mets jamais. Comment on fait? Eh bien, comme ça. Waouh! Les lunettes, je n'en mets pas. Chapeau, boucle, cheveux, ongles. On va regarder les ongles quand même. On n'était pas censé pouvoir enlever quelques détails du visage. Bon, c'est pas grave. On va les laisser. Oui, alors moi je sais, je mets pas de pinces, mais ça on l'a vu plein de fois, je mets pas de chapeau. On va regarder les ongles. Ah, les ongles, moi ils sont toujours hyper naturels. Ou alors, je les mets en blanc en général, blanc ou nacré. Mais franchement, ou alors je les garde naturels. Mais le choix des ongles, je sais pas si vous vous rendez compte. On a ah noir, ah ouais, j'en mets des fois du vernis ongles noir. Mais par contre, sur du court. Donc, comme ça en général. Clac. J'adore aussi. C'est trop fun. J'adore, c'est super. Mes textures, ah c'est super. On peut sauvegarder des choses et choisir ces textures. Mais c'est énorme. J'adore. Tu veux pas reculer là? J'arrive pas à la reculer. Ah oui, parce qu'on est sur les ongles. Donc c'est normal. Ensuite, studio, c'est quoi studio? Ah oui, c'est pour le paysage derrière. Attends, alors on va revenir sur corps. Non, sur tenue. Comme ça, on voit derrière. Ah, oh, c'est magnifique. Oh, c'est trop beau. Ça fait un peu bizarre. Elle est sur l'eau. Ouais, garage. Waouh, avec les ailes derrière, c'est extra. Et franchement, j'adore. J'ai tellement envie de pouvoir enfin décorer. J'aurais voulu la démo décoration. Enfin, décoration, pardon. Construction et décoration. Parce que franchement, j'adore. Là, c'est la lumière. Bon, de face, c'est très bien. Position. Ouais, on fait au-dessus, en dessous. Et couleurs. Non, c'est bien. Franchement, c'est bien. Là aussi, on peut avoir couleur. Ouais, d'accord. On la baisse. Mais c'est magnifique, j'adore. Franchement, j'adore. C'est super. Alors, peut-être que tout le monde n'est pas fan, mais franchement, j'adore. C'est trop, trop beau ce qu'on peut faire, en tout cas, rien que dans création du Sim. Du Sim, pardon. Rien que dans la création du Zoï. Mais c'est magnifique. C'est incroyable. Tout ce qu'on peut faire, les petits détails, tout ça, mais à ce point-là, c'est incroyable. J'ai pas fait non plus contre la symétrie, mais c'est juste magnifique. C'est juste trop trop beau. Là, si je la mets en suspense, oh, là ça fonce. En dessin animé, ouais, c'est sympa. Franchement, je sais pas ce qu'on pourrait faire comme animation avec, mais c'est juste trop trop beau. Je voulais voir sinon mode photo. Il y a des poses. Ah oui! Oh, souriante. Attends, on peut la zoomer un petit peu.
rieuse, déprimée, surprise. Oh, mais c'est génial! Puis, ce que j'adore, c'est que, en fait, il y a son visage qui change au fur et à mesure. C'est pas. Comment dire? C'est pas. Vous savez, lorsqu'on clique et qu'on veut changer de pose. Ah, oh, c'est super! Ouais, d'accord. Eh bien, ça reste naturel. Elle bouge dans tous les sens. C'est pas d'un seul coup, elle prend une pause et elle est fixe. Elle bouge. Et ça, c'est juste incroyable. Debout et assurée. Et regarde-moi par là. Yes! Oh, j'adore. C'est trop, trop bien. Moi aussi, je crois que je vais m'en servir comme enregistré. Je vais m'en servir comme, je sais pas si je peux, comme miniature. Mais c'est trop, trop beau. Ah ouais, j'enregistre. Franchement, j'enregistre. J'espère qu'on va la retrouver. On quitte comment le mode photo? Je sais pas. Wait, sortir. Non, ça. Oh, raccourci, guide. Entrée, sortie, déplacer, zoom. Moi, je veux bien. Mais comment on fait pour quitter? Ah, retour. Retour. Ah, c'est génial. Et franchement, à enregistrer. Je vais enregistrer ma Zoï. La tenue, non, pas la tenue. Moi, je veux enregistrer le Zoï prédéfini. Ouais. Carrément. Wow. Vous pouvez consulter le Zoï enregistré dans l'onglet pré-réglage Zoï. Vous voulez enregistrer le Zoï actuel, hein? Oh, c'est magnifique, ouais, je l'enregistre. Et puis ça y est, ça s'enregistre. Oh, mais c'est super. Créer une famille. Je vais pas créer un autre Zoï nom de famille. Nom de famille. Je ne sais pas, Smith. Je faisais un nom de famille, c'est pas grave. Hop, on crée. Terminer la création. Ah là là, mais là, je sais plus où je vais, je sais pas ce que je fais. Permis de création du monde. Confirmé? Comment ça? Cela pourrait te sembler difficile au début. Non, c'est vrai? Non, j'ai pas accès, hein, c'est une blague. Mais au vivant. C'est juste, c'est énorme. Non, c'est vrai, je peux visiter les villes. C'est pas possible. Je rêve. J'avais trop envie d'aller à The One. Est-ce que c'est possible? Sélectionner cette ville. Non, on peut faire ça. Moi, je crois que ça va être une prochaine vidéo. Ajouter à la liste de souhaits sur Steam. Ah ouais, dommage, Miaou, il est encore un peu tôt pour gérer une Zoï, Miaou. Et si tu te concentrais plutôt sur la création de Zoï pour le moment? Franchement, j'ai eu une fausse joie. Je reviendrai plus tard quand le moment sera venu. Alors, un peu de patience, Miaou. C'est génial. Franchement, c'est extra. Ça s'arrête là, la vidéo se termine ici. J'espère que ça vous a plu. Alors n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!